Salut à tous les amis, c'est l'heure to play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Prison Architect, oh yeah. Alors en ce moment je fais pas mal de Prison Architect parce que vu que j'ai le jeu maintenant, ça m'a donné vachement envie d'y jouer tout simplement. Puisque en plus je vois que les matchs sont assez régulières, la prochaine c'est apparemment dans 2 mois. Donc voilà, ça déjà c'est un bon point, un jeu qui est mis à jour très souvent, donc qui rajoute plein d'éléments de gameplay et toujours plus intéressant les uns que les autres. Alors moi évidemment ça me donne envie de jouer. Et je suis en train de remarquer que la cantine est juste dégueulasse, la cuisine aussi. Bah va falloir vraiment que qu'on embauche du personnel de... Oh putain, c'est vraiment crade hein. Va falloir qu'on embauche du personnel de nettoyage. Et là il y a la baston là, putain ils sont tous arrêtés les types quoi. Oh Thomas, Workbench Eaglebeak. Workbench started his career as an employed pyrotechnician. Ok, en tant que pyrotechnicien, d'accord. Mais il a changé pour construire des engins explosifs. Et enfin, je sais pas comment traduire, des utilitaires, quoi. Enfin, je sais plus exactement comment traduire utilities. Enfin, robberies, je sais pas ce que c'est. Il est connu pour sa fabrication d'explosifs et pour des accessoires quotidiens, des petits accessoires quotidiens des outils de cuisine. Bref, c'était complètement inutile, je sais même pas pourquoi je vous ai lu ça. Bref, j'ai vu dans un commentaire, je viens de voir avant de tourner cette vidéo, un commentaire qui m'a dit c'est normal qu'il n'aille pas dans les cellules, puisque j'avais fait un grand truc comme ça, j'avais pris toutes les cellules et j'avais fait pouf comme ça, résultat ça faisait qu'une seule cellule. Heureusement que je l'ai changé à la fin du dernier épisode hein. Sinon j'aurais eu l'air con. Donc on voit qu'on gagne 1300 par jour. Va falloir attendre la prochaine nuit, on va passer le temps. On a que 420$, ça va être chaud. Alors eux au lieu de se la toucher ils vont aller là. Pareil hein, faut qu'ils soignent là, ça va plus. C'est quoi ça, c'est un garde? C'est un garde ça, ah ouais c'est un garde. Je revois le déploiement, tiens. On a que 5 gardes alors. On a que 5 gardes. 5 gardes. Mais ils sont pas tous au bon endroit là. Hein. Mais lui il est toujours ici, Underwood. Il est pas sorti de la salle des cellules depuis un bon bout de temps. Bon, ici ils sont soignés, ça va, nickel. On va chercher les prisonniers, tiens. Search prisoners. Voyons voir s'ils ont des trucs sur eux. Lui il faut se méfier. Search prisoners. Ah. Notre ami Yenemu. Sur Skype, j'ai oublié de fermer Skype. Oh, une fourchette! Mon dieu! Il allait tuer avec une fourchette. Les docteurs n'arrivent pas à repartir. Attendez, on va essayer. Hein. Et il faut qu'on aille faire un tour dans les chiottes parce que c'est toujours dans les chiottes qu'il se passe des trucs. Et n'y voyez aucun jeu de mots ou pensée bizarre. Attention, hein. Bon, il avait rien sur lui. Mais il y en a qui ont des fourchettes sur eux. Je sais même pas comment ils. Ils les ont quoi, bah peut-être à la cantine quoi. Ouais, ils les chopent à la cantine et là ça. Je le sens pas, ma Konachi. C'est un prisonnier italien, tu vois. Lui, je suis sûr qu'il a quelque chose sur lui. Il avait une fourchette, j'en étais sûr. Je le savais. Lui, il est toujours là depuis je sais pas combien de temps, ça fait 3 jours qu'il crèche dehors lui. On va aller le soigner. Ok, bon alors comment ça se présente? Ah, j'avais pas tilté que ça fallait les relier à l'eau. Le petit déj est en train d'être préparé. Bon alors je vous dis, pour l'instant il ne va pas y avoir grand chose vu que j'ai plus une thune. Notre prochain objectif donc c'est de finir ces objectifs là. Alors j'ai pas compris. Oh, j'aimerais bien voir. Alors. Contract cell block à payment. The basic are, it's time to do the first cell block and transfer existing prison to cell of the arm. Ben oui, normalement. Le truc, c'est que j'arrive pas à voir le chiffre vert puisque le chiffre rouge cache le chiffre vert d'abord. Ah oui, il faut que j'embauche un psychologist. Ah ben c'est bon. Putain, pourquoi je reclique sur le même. Je suis vraiment un petit peu teubé des fois, moi. Le psychologist. Bon, alors la nuit prochaine, on va embaucher le psychologist. Ça nous donnera 10 000. Et puis voilà, ce sera fait, on construira un peu de bureau, on continuera d'autres cellules parce que c'est ça le principal, hein, c'est des cellules qu'il nous faut. Hein. De toute façon, ce qui est bien, c'est que plus on aura de cellules, plus on aura de prisonniers, pardon, plus on aura d'argent, plus on aura de fric.
Et plus je vais pouvoir construire, plus on va pouvoir se développer. Bon, la cantine est déjà grande, c'est bon. Bon, eux, ils se magnent. Mais d'ailleurs, il y en a qu'un. Mais attendez. Il manque un cuistot là. Non! Mais il est où l'autre? Attendez. Dans ce genre de situation. Ah, bah si, en fait, je suis juste bigleux. Ah, bah voilà. Bah, 8 nouveaux prisonniers qui se ramènent. Ils sont 33 maintenant. 33, 33. Bon, ok, ils sont pas très dangereux. Livraison de bouffe le matin. Putain, j'ai oublié de faire mon Skype. Ça, c'est chiant. Bref, bref, bref. Bon, bah voilà, on va gagner 2000. Ok, bah c'est nickel. Bah, ce soir alors, hein. Ce soir on gagne 2000, j'achète un... comment ça s'appelle? J'oublie à chaque fois. Oui, un psychologist. Comme ça, bah, on aura de quoi faire d'autres cellules pour accueillir tous ces nouveaux prisonniers. Ce garde est injured, il est blessé quoi. Putain, mais ils vont tous crécher dans la holding cell, c'est l'orgie là-bas. D'ailleurs, il n'y a absolument aucun garde. Et allez-y les mecs, là, qu'est-ce que vous attendez là? Toi, tu sers à rien, toi. Vas-y, viens. Ramène les prisonniers dans le holding cell, bitches. T'as du boulot. Ok, là, le danger, il descend, ça va. Bon, il y a des workmen qui se la touchent. Je vous le cache pas. Mais d'accord, il y a personne. Ah, mais d'accord, en fait. Ok, en fait, ils sont tellement. Il y a tellement une base de bassons qu'ils sont tous arrêtés. Résultat, personne va bouffer et il y a la bouffe qui reste là et ça va pourrir, c'est pas bien. On peut pas garder les aliments. Ils sont que 4 normaux. D'ailleurs, je suis en train de me dire un truc, c'est que ouais, on fera les cellules d'isolement aussi. Bon, il y en a que 4, hein, je sais. Ça va être chaud et on va augmenter la proportion de garde aussi. Ah, les familles sont passées. Putain, ils font jeune quand même pour 21 ans. Le mec, il. C'est un suppositoire, le type. Bon, c'est pas grave. Ah, je dirais rien. Aucune blague, rien. Et lui, il est encore. Putain, lui, il sortira jamais de ce trou. Hein. Mais voilà, en fait, tant qu'on n'a pas de. Attends, toi, tu vas aller le soigner. Tant qu'on n'a pas de solitary, bah, va falloir augmenter la capacité, alors, hein, parce que là, ça va pas le faire. Hein. Je vous le dis, moi. On court à la catastrophe. C'est la merde. Mais. Putain, mais. Oh là là, mais ils sont cons, mes gardes. Bon alors attends. Ça on va le virer. Voilà, toi tu dois. Hein? Maintenant. Il faut que je trouve un garde. Un garde qui se touche. Toi tu vas les soigner celui-là. Bon toi puisque t'as rien à foutre. Hein? Voilà. J'ai dit. Là-bas! Ramène les prisonniers. Ah, il y a encore des familles. Ça sera plus utile quand ils seront pas tous avec les menottes. Mais hé, mais ramène-les, quoi. Putain, mais ils sont cons, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont cons. Bon, attendez, on va l'enlever, lui. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Ok, il a compris. Putain, mais ils sont un petit peu cons, eux. Mais parce que, en fait, d'accord, le garde qui manque, il est là depuis 100 ans. Attendez. Peut-être si je fais ça. Non. Bon, ce garde, il est bugué. Bon, je le réembaucherai peut-être. Quand j'aurai de la thune, bien sûr, hein, pas maintenant. Ok, bon. Allez, on l'impacte, toujours plus. Ah oui, il faut qu'il aille ouvrir la porte du yard. Il est déjà 4 heures, putain, je vois pas le temps passer, moi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il est con. Mais, mais ils sont teubés, les prisonniers. Bon, attends, vas-y, on va mettre open parce que. Ils sont un petit peu cons. Tu sais, ici c'est vide, ils peuvent passer comme ils veulent. Non, ils restent bloqués à la porte. Bon, ils ont pas l'air d'être super intelligents. Hein. Je dis ça, je dis rien. Bon, les douches ici c'est nickel. Lui il a posé le drain n'importe comment. Bref, on s'en fout. J'ai combien de workmen? Ouais, il y en a un peu qui. Ok, bon, la livraison de bouffe. Bah, le résultat, la bouffe, elle est restée. Non, ils l'ont virée. Putain, ça fait du gaspillage, les mecs, quoi. Voilà, quoi. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Ah, c'est chiant, ça. Bon, heureusement, on va arriver vite fait à la nuit. Putain, mais ici, c'est. Il y a full. On va faire un petit tour des prisonniers.
Tiens, Merwood, par exemple. Oh, lui, il a pris 3 ans pour des crimes multiples, incluant... conduite en état de... Ouais, conduite en état d'ébriété, sûrement. Ok, il a une petite copine, machin. Bref, il a 24 ans. Bon, oh, ouais, il a tiré déjà 3 ans, ça va. Et lui, il avait une fourchette sur lui. Et c'est ça, en fait. Tant que j'ai pas fait de solitary, ben voilà, quoi. C'est ça, le problème. Ils seront tous avec les menottes, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que solitary... Si on fait ça. Non, ça marche pas. Ah, c'est dommage, ça marche pas. Ah, ça aurait pu marcher. Je vous le cache pas, ça aurait pu. Il y a la moitié qui sont encore dehors là, putain. Allez, les gardes quoi. Bon, attendez. Voilà. J'en enlève un. Comme ça, lui. Enfin, elle plutôt, elle a compris. Et encore livraison de bouffe. Décidément, les livraisons de bouffe, c'est. Continuel. Et lui, il est là. Non, mais lui. Ouais. Ah oui, mais il a encore les menottes en fait. C'est parce qu'ils peuvent pas se déplacer. En fait, personne n'utilise des cellules quoi. En fait, ils sont tout simplement que 7. Voilà. Là, ils font la bouffe pour je sais pas combien de personnes. Il y a un chou par terre, les mecs, c'est crade. Va falloir vraiment que je sais même pas s'il y a de la place encore dans les frigos. Va falloir que j'embauche l'agent nettoyage là, ça va plus. Ça va plus, qu'est-ce qu'on va faire hein? Qu'est-ce qu'on va devenir? Putain, mais il mange même pas, il a pas faim. Qu'est-ce que tu veux? Ils veulent dormir, ben voilà, ben vous allez dormir. Ben voilà, de toute façon, là, voilà. Dans un quart d'heure, c'est l'heure d'aller au lit. C'est moi ou le mec a dit ah merde? Ah non, ils vont foutre la merde. Ah, ils vont foutre la merde. Oh, je le sens pas. Oh putain, ils vont foutre la merde dans les chiottes. Attention. Et voilà, tu vois. Et voilà. Ah, je t'ai repéré, Kate. Je t'ai repéré. Kate, t'es mort, hein. Kate, t'es décédé. Voilà. T'aurais pas dû, j'en étais sûr, dans les toilettes, c'était trouble. Hein. Et arrête de crier. Ah bah voilà, c'est bon, ils sont tous rentrés. Ok, on a la thune dans pas longtemps. Vous êtes prêts, les mecs? On va pouvoir enfin faire quelque chose de cet épisode, parce que là, on fout rien depuis tout à l'heure. Attention. 3, 2, 1. Elle a toujours pas de bureau, mais il est crade, tu sais. Attention, dans une demi-heure, les amis, c'est la thune. C'est la richesse. Ah merde. Désolé, mon Skype. Je m'excuse. Psychologist. Quoi? Comment ça, j'ai pas assez d'argent? Ah oui, merde. Je suis désolé, putain, je suis bigle, moi. Dans 5 minutes. Yeah. Et voilà, la thune, les amis, la thune. Ok, bon alors. Ce qu'on va faire, ben, on va rajouter des cellules, hein, écoutez. Attendez, alors je réfléchis à un truc. Juste, ouais, on va augmenter les... Room. Et encore de la baston. Object. Ah oui, non, les cellules... je suis désolé pour mon Skype, hein. C'est vraiment pas voulu. Surtout, on va s'occuper de ça maintenant, parce que sinon ça va être chiant. Voilà, on va mettre des entrées, putain, ça vaut la peau du cul. On va mettre celle-là, bon, ça c'est... Oh, ça sent bon, quoi. Putain, ça m'a déjà pourri la moitié de mon budget. Je retiens. Donc les cellules. Oh, ça vaut vraiment cher, cette merde, hein. Ouais. On va pas trop s'endetter, on va garder un peu d'argent. Allez, on est fou. Oh, ouais, on va faire ça. On va faire ça et on va voir ce que ça donne déjà. Donc, object. Bed. Un bed là. Ça vaut cher. Un bed là. Les chiottes plus les tuyaux plus les portes. Putain. Les chiottes. Les chiottes. À côté des lits, parce que hein, c'est bien d'avoir des shots à côté d'un lit. Et ça vaut 100 boules. Et c'est déjà la guerre dans la prison, je sais pas ce qui se passe. Alors normalement, si je
fais bien le calcul. Ouais. Tac. Non, je me suis bourré là. Voilà, c'est bien ça. Okay. Oh bah nickel, putain, je suis fort. Ah putain, et ça. On va la mettre tout le temps en peine parce que sinon les gardes vont être débordés là. Et il faut que ça se construise vite. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est la mort. Ah bah merde. Non, c'est bon, j'ai pas de mort. Y a pas de mort pour l'instant les mecs, on s'en sort bien, y a pas de mort. C'est un petit peu bugué ça, non? Room, on va mettre solitary. Voilà. Par contre ça c'est un peu bugué là. Ça a bugué ça. Dans dismantle. Dismantle. Dismantle et on va la remettre. Bon, ils vont enfin pouvoir être en cellule d'isolement. Ces espèces de bozo là, parce que lui je sais pas ce qu'il fout. Dismantle. Voilà. Oh putain, ils ont encore dégradé les chiottes. Oh là là là, c'est la guerre. Il y a des fourchettes partout. Les mecs, ils ont des tripes sur les fourchettes. Ah, c'est la merde. Hein. Bon, je vais envoyer les docteurs en mission parce qu'ils ont pas l'air de se rendre compte de la gravité de la situation. Allez, bon, alors, je suis désolé pour le Skype. Hein. Vraiment, je suis désolé. J'espère que ça vous dérange pas. Mais qu'est-ce que tu branles, toi? Allez, dismantle. Motherfucker, dismantle. Holy shit. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bon, c'est légèrement buggé. Pour pas dire complètement buggé. Mais regardez-moi ça. Voilà, j'ai quand même augmenté le nombre de... Hein, voilà quoi. Il manque les shots. Ah oui, j'ai oublié les... Bon, on restait quand même avec une moyenne honorable de... Voilà, les tuyaux pour les shots. Moyenne honorable de... Attendez, on va faire une dernière cellule. D'argent, enfin de fond. Oh putain, mais ça c'est chiant. C'est casse-couille. Les portes qui sont fermées non-stop. On va les laisser ouvertes parce que sinon ça va être le bordel. Shot. Une porte. Et la room, cellule. Voilà, nickel. Bah, il faut que je rallonge les tuyaux dans ce cas-là. Bon, bah voilà. Oh putain. C'est chiant ces portes. Hein. On va toutes les ouvrir, sinon bah, ils vont me casser les couilles. Voilà, comme ça c'est bon. Bon, c'est le matin. C'est cool. Génial. Lui, il est toujours bugué. Ah, mais non, c'est bon. Alors, est-ce que... Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ok, bon. C'est bon. Bon, ben, va falloir qu'il répare tout ça. Parce que là, c'est... Hein. Ils attendent tous d'aller en solitary. Putain, il y en a, ils ont pour 8 heures, quoi, les pauvres. Bah, je vais augmenter le nombre de cellules d'isolement. Lui, il en a pour combien de temps? 42, ok. Il va enfin pouvoir vivre une vie normale. Ils auront plus de menottes, enfin. Bon, j'ai un peu baissé de... Ah, mais les nouveaux prisonniers arrivent. Attendez, je regarde si on n'a pas perdu de staff auto-saving. Non, c'est bon. Ok, 8 nouveaux prisonniers, les familles. Ah, bah voilà. Bah, 10 000 de fric. Ah, bah tant mieux. Ah bah c'est nickel ça. Bah attendez, on va rajouter d'autres cellules alors. Ah bah c'est parfait là. Ça c'est nickel. Room, cell. Comme il faut, voilà. Objects. Les beds. Et les chiottes et les tuyaux. Et on est bon. Voilà. Ça j'ai déjà mis, non c'est les tuyaux qu'il faut. Tuyaux, tuyaux, tuyaux. Voilà, bon c'est bon. Là pour le coup on est dans une bonne phase.
eux, je vais leur faire un vrai bureau, parce que voilà, quoi, c'est pas qu'ils sont dans une pièce vide, voilà, quoi. Ça rend un petit peu taré. Je vous le cache pas, ça doit être un petit peu dur pour eux. Hein. Mais bon. Attendez, vu que la porte, elle est là, ce qu'on va faire, c'est ça. Hein. Voilà, ça me paraît bien, ça. Le bureau, comme ceci. Avec une chair. Attendez, je me suis pas gouré de sens. Et je me suis gouré de sens. Alors attendez, je me suis gouré de sens. J'arrive pas à visualiser. Voilà, là c'est ça. Mais attendez, mais ils sont dans quel sens leurs ordi? C'est ça, ouais. C'est ça, c'est bon. Putain, les amis, pour placer un bureau. Bah dis donc, putain, j'en chie, hein. Oulala. Avec le file cabinet. Nickel. C'est bon comme ça. C'est nickel. Bah tiens, je vais en profiter pour embaucher un. Embaucher, oui. Un foreman. Et pour embaucher des. Bah, des janitors. Ah mince. Bah, on va s'attaquer alors à la bureaucratie. Cleaning, ça vaut 2000 boules. On va prendre. Ça c'est quoi? Authorizes your to push in the green plot. Ah, je savais pas ça. C'est bon. On peut étendre son terrain. Ah, c'est pratique ça. On pouvait pas le faire avant. Sympathique. Bon, on va prendre 8000 pour l'instant. Et puis voilà. Voilà. Déjà, j'ai plus que 8000. Hein. Bon, c'est bon. Normal. Normal. Va falloir que j'augmente le nombre de gardes. Bon, on est à 2000. On est remonté. On va augmenter le nombre de gardes, les amis. Normal. C'est nickel. On va augmenter, on va mettre 3 autres gardes. Voilà. Et je gagne plus que 2000 par jour. Voilà, 3 autres gardes. Bon, c'est nickel. Ils font tous leur... Qu'est-ce qu'il y a? Ah merde, ils ont plus de porte. Ouais, effectivement. Comment ça j'ai plus? Tac, tac, tac. Ah ouais, effectivement. Il nous faut une porte, là. Il nous faut une porte. Bah c'est bon. Il y en a qui ont fini leur solitary. Donc c'est bon, il y en a. C'est bon, ils ont fini. Ça va faire ça. Voilà, nickel. Ça on va le fermer. Voilà, alors est-ce que les douches les douches pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir trop de problèmes. Bon bah ça va, on s'en sort plutôt bien. La galère c'est terminé pour l'instant. Ouais, bon. Ils vont tous en solitary. Oh non, me dis pas qu'il y a encore la baston. Oh, mais... Ils ont faim. Mais faut qu'ils reprennent un rythme normal, en fait. C'est ça, le problème. Voilà, parce que là, ils sont tous affamés. Ils ont passé je sais pas combien de temps de... On se calme, les gens. Oh, putain. Allez, hop. Les médecins, on envoie les médecins. Ouais, parce que là, en fait, ils ont pas bouffé. Bon, une fois que la situation sera sous contrôle, normalement, ça devrait le faire. On va pouvoir s'occuper plus en profondeur de leurs besoins. Et voilà, quoi. On va pouvoir s'amuser réellement, puisque là, c'est le début. C'est un petit peu chaud, hein, je vous le cache pas. Voilà, il y en a, ils font leur solitary. C'est nickel. Ok, ils ont été soignés. Parfait, parfait. Toujours un garde dans le holding cell. Et là je vois qu'il y a du sang dans les chiottes. Néanmoins ils sont très bien, mes petites toilettes avec des portes et tout. C'est marrant d'avoir fait ça, je trouve. Par contre ici c'est dégueulasse, va falloir que... Je vais faire une salle de visite un peu mieux que ça, hein. Et puis je vais rajouter des caméras, un de ces quatre. Parce que là le brouillard de guerre ça commence à... Ok. C'est vrai que le couloir est un petit peu... J'ai perdu de la place là, un peu bêtement. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc voyons voir combien on a de cellules donc. Six et neuf. Ok, 18 cellules par bloc. Ça nous fait 36. Ok, on aura 36 cellules. Sauf si je la grimpe. Oh putain. Oh mais ces portes. Les pauvres, ils ont attaqué avec une fourchette, ils ont pas honte. Et il y en a un, il se barre. Oh, il y en a un, il se barre. Il y en a un, il se barre. On ferme les portes. Ok, c'est bon. Ah, il y en a, il a voulu se barrer, hein. Putain, mais c'est n'importe quoi. C'est la guerre dans ce... Eh oh, pourquoi il y a des...
La flotte, elle est pas censée se barrer. La flotte n'est pas censée se barrer. J'ai mis le drain pour ça. Et je gagne plus que 1700. Pourquoi? Expliquez-moi. Bon, alors. Et encore la baston. C'est où il y a la baston? C'est toujours dans ce coin-là qu'il y a de la baston. Ouais, donc là, je vais rajouter un drain. Parce que je vois que la flotte, elle se barre souvent. Voilà. Là, on est sûr. La flotte ne se barrera pas. Lui, il en a pour 8 heures, putain, mais il est pauvre prisonnier. Bon, alors là, c'est bientôt l'heure de la bouffe. Mais pourquoi il bouffe pas, je comprends pas. Faut dire qu'en même temps, et voilà, ils ont... voilà. Ils ont pas tous pris pour leur... Donc, le médecin, toi, tu vas aller ici, et tu vas aller soigner tout le monde. Parce que là, il y en a marre. Putain, l'infirmerie, très utile. Ok, bon, on va enfin pouvoir commencer à s'en sortir. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je jouerai un peu tout seul pour débloquer la situation. Pour que tous les prisonniers fassent leur solitary, là. Et comme ça, qu'on puisse jouer réellement dans le prochain épisode. Ce serait pas mal. Et mon téléphone vient de vibrer. Tac, tac, tac. Ok, no problème. Je m'excuse. Alors. Ah, bah enfin, bah voilà, ils vont aller dans leur cellule. Faudrait que j'ai un garde qui aille. Toi, juste va faire un tour ici. J'aimerais juste constater. Non. Si. Non. Non. Ah non, ils vont tous dans le holding cell. D'accord, ok. Mais les mecs, vous avez des cellules. Pourquoi vous n'y allez pas dedans? J'ai fait 18 cellules, c'est pas pour rien, bordel! Mais allez dormir là-bas! Sèche, c'est l'autre bloc. Ok, on a gagné la thune, c'est nickel. Non, par contre, ça c'est pas normal. Et ils dorment pas, c'est normal. Pourquoi ils. Alors, ça, si vous avez. Si vous avez une solution, pourquoi. Ils ne vont pas dormir dans les cellules. Ah. D'accord. Mais pourquoi il se tire? Il est con. Je crois qu'il a pas compris. Ah les amis, si vous avez une solution, ça m'aiderait bien. Mais je vais essayer de devoir débloquer. Oh really? C'est quoi ça? Ah là là, décidément le trafic de fourchettes a l'air d'être bien développé dans cette prison. Il va falloir que je fasse attention à ça. Toi, au lieu de te rien foutre, tu vas aller là. Mais il y a un souci quand même. Parce que, ouais, si vous avez la solution dans les commentaires pour attitrer les cellules aux prisonniers, normalement ça se faisait automatiquement. C'est pour ça que je comprends pas là. Pourquoi il. Attendez, on va mettre ça déjà, on va mettre comme ça. Hein. Faut attendre que tous les prisonniers fassent leur. J'ai combien de gardes moi? 8. On va en rajouter 2. Allez, hop. 2 gardes en plus. On gagne plus que 1500. Mais on aura d'autres prisonniers. Donc ça va augmenter les revenus. Voilà. Plus de gardes, c'est bon. Déjà qu'il y en a, ils sont tous à moitié morts. Voilà, ça va se débloquer. Bon, j'espère qu'ils utiliseront les cellules. Je viendrai rajouter un cuisinier aussi bientôt. Mais bon, là, c'est pas trop la peine. Ok, bon bah ça va, c'était un épisode plutôt mouvementé et en même temps on n'a rien branlé. Ce qui est plutôt paradoxal dans un sens. Au moins ce qui est bien de voir c'est que bah il y a des téléphones. Je pense que je devrais rajouter des lits. Histoire qu'ils pioncent un peu parce que. Object. Je fous des lits. Mettre des lits. On va mettre 4 lits, voilà, parce que pour l'instant, pour qu'ils dorment, mais bon, ça m'a coûté de l'argent, mais c'est pas grave. Comme ça, je pourrais les replacer dans des futures cellules, c'est pas trop un souci. Eux, ils sont bugués, là, je sais pas ce qu'ils branlent. Allez, visitor table. Ah, mais ils en ont pas mis, en fait. Ah, si, ils en ont pas mis. Voilà, il y en a qui pioncent. Bon, ça va, je pense, débloquer un peu. Mais si vous avez la solution hein, pour les cellules, dites-le moi. Parce que là, je leur ai mis plein de cellules. Faut qu'ils aillent dormir dans leurs cellules pour qu'ils soient heureux. Hein.
Bon, sur ce, les amis, on arrive à la fin de l'épisode. Donc j'espère qu'il vous a plu. Hein. Moi, je prends beaucoup de plaisir à faire du Prison Architect. Hein. Si vous aussi vous aimez, bah, faites-le moi savoir. Hein. Je continuerai, hein, de toute façon. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Salut à tous.